Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors voici les bananes du Rajapuri. Des précédentes vidéos, j'avais fait des vidéos sur le bananier Rajapuri. J'avais fait une vidéo pour vous montrer la repousse, comment les retirer pour les multiplier. Donc la petite pousse qu'il y avait sur la vidéo, je vous invite à aller la voir. Vous cherchez dans mes vidéos. Mettez bananier Rajapuri, ça va sortir tout de suite. Il y avait une petite pousse que j'avais laissé pour futur plan, et ben il est comme ça maintenant, il fait 3 mètres. Et à côté, ben, il y a la relève. Voilà. Là, on est avec les feuilles là en haut, on a plus de 5 mètres. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment je fais mon petit déjeuner le matin. Ben, je viens là. Et ce qui est bien avec ces bananes, c'est qu'elles viennent pas toutes mûres d'un coup, c'est au fur et à mesure. Donc le matin, j'ai juste à venir là, voir la plus mûre, donc celle-là là. Habituellement, elle s'ouvre directement dessus. Voilà. J'ai même pas besoin de la tirer. Le fruit sort tout seul. Voilà. Alors je vous explique pas la saveur de cette banane. Un truc de dingue. Alors, je vais manger un bout. Dedans, c'est vraiment délicieux. Pas de graines, on sent rien. Très très sucré, ferme. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. Là, c'est presque au niveau de l'orgasme buccal. Hein. Alors ça c'est ce qui a pas de prix. Ça, pour goûter des choses comme ça, aussi bonnes, on est obligé de les cultiver. Enfin, de les faire pousser soi-même. Vous ne trouverez jamais des bananes de cette qualité-là, gustativement. C'est impossible à trouver ça dans le commerce. Alors, la peau, je la laisse sur le régime là. Elle va sécher au soleil, tranquille. Même des abeilles qui vont venir un peu manger, se servir. Donc, je laisse comme ça. Et je mange environ deux bananes par jour comme ça. Et bah là j'en ai assez pour un bon moment quand même. Et une fois que j'aurai mangé toutes les bananes, bah celui-là il va mourir, il va sécher. Mais pour éviter de le voir dépérir, je vais le couper à la base et puis je vais m'en servir pour faire autre chose. Plein de techniques avec les troncs. Donc faut essayer, faut tester, j'essaierai de faire des vidéos. Voilà le bananier Rajapuri. N'hésitez pas, c'est vraiment délicieux.